town, 'cause I can't take no more. And this old town's got nothing left for me. All I've got are these broken memories. This new road, I finally broke it free. Dans cette nouvelle reproduction, le tournage se déroule à l'extérieur avec un éclairage en lumière du jour, ce qui signifie que nous n'aurons aucun contrôle sur la lumière ni sa durée. L'idée est donc de préparer et tester tout le matériel que nous emporterons pour le tournage à l'avance pour perdre un minimum de temps pour la réalisation de chaque plan. C'est aussi pour cette raison que nous avons créé un storyboard pour définir les plans indispensables à réaliser et leur chronologie selon les différents spots et l'évolution de la lumière. Le plus gros défi de cette reproduction de Peaky Blinders, c'était de trouver des décors capables de recréer les univers qui sont propres à la série, d'arriver à nous replonger dans l'entre-deux-guerres au début du XXe siècle. L'histoire des Peaky Blinders se déroule à Birmingham en 1919, dans une ambiance plutôt sombre, peu colorée et très industrielle, ce qui reflète pas mal l'activité de la famille Shelby et en dit long sur l'état d'esprit de ses personnages. Nous avons trouvé une parcelle de voies ferrées où y étaient stockés des trains de marchandises. Bien entendu, il n'y avait aucun passage de train sur ces voies à distance de la voie principale, qui elle était bien active. La zone était en travaux d'aménagement, ce qui nous a permis un accès très facile et sécurisé. Nous n'avions aucunement l'idée de nous mettre en danger et de prendre des risques inutiles. Nous avions fait du repérage la veille pour nous assurer que tout soit au rendez-vous pour notre tournage. Le lieu était tout simplement parfait. Les trains étaient disposés idéalement pour masquer les alentours et nous faire voyager dans le temps jusqu'en 1919. Maintenant, l'objectif principal était d'arriver à exploiter au mieux cette lumière tombante pour réaliser l'ensemble des plans que nous avions en tête. Nous avons commencé à faire un premier test. Nous avons équipé le boîtier du 85 mm avec une ouverture de 1.4 pour me détacher légèrement du train. Mais comme vous pouvez le constater, l'éclairage naturel de face donne un effet trop flat à notre image. Il manque donc de la profondeur et du contraste au visage pour retransmettre cette atmosphère dramatique emblématique de la série. Nous nous sommes décalés, histoire d'avoir l'arrivée de lumière à 90 degrés du personnage et tout de suite créer un ratio de contraste plus important, ce qui nous a permis d'obtenir une image bien plus satisfaisante visuellement. Le simple fait de changer d'orientation par rapport à la lumière du soleil nous a permis de donner du caractère au personnage et créer du mystère. C'est quoi ça? Mais c'est gavé, vous, hein? Ah oui. Comme nous étions satisfaits du rendu de cet éclairage naturel, nous avons enchaîné plusieurs plans. Yo a filmé à main levée pour ajouter de l'instabilité à la scène et évoquer un sentiment d'impatience au personnage. Ce que nous avons accentué en multipliant les prises, que ce soit en wide shot, medium ou close-up, pour être au plus près de l'état d'esprit du personnage et créer du contexte. Nous avons complété la scène avec des plans plus posés pour donner suite au plan précédent et nous avons profité de la lumière en backlight, c'est-à-dire derrière le sujet, pour illustrer l'évolution de l'état d'esprit du personnage, qui lui s'assombrit pour révéler par la suite son vrai visage. La poule après, lève-toi. Toujours à main levée, nous avons enchaîné plusieurs prises différentes pour exploiter au mieux la lumière ambiante qui évoluait très rapidement. Nous sommes passés de l'impatience et la dynamique à la réflexion personnelle et la prise de conscience de notre personnage. Brass rings in the center and a wind.
vous rendez pas compte? Oh là, il va tuer quelqu'un là. Oh, pas mal même le profil d'aigle. Oui, on est quand même là. Avec les bouquilles au fond là, le 85. Les bouquilles. Les bouquilles. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, la zone était en travaux. Nous devions donc être très discrets pour ne pas nous faire repérer et potentiellement virer des lieux avant la fin du tournage. Parce que bien que nous n'étions pas en danger, je ne suis pas certain que si on nous voyait faire, on nous laisserait filmer nos scènes tranquillement sans rien nous dire. Nous avons finalement pu reprendre et enchaîner avec le plan principal symbolique. Pour cela, on a pris du recul. Beaucoup de recul. Non, j'ai dit beaucoup. Encore un peu. Voilà. On va essayer de faire en sorte que quand je marche, des fois je suis éclairé par le soleil, c'est très sombre. Et du coup, ça peut être hyper stylé si ça me détache avec la chemise. Donc là, on a mis le 770-200 sur la 7-4. En mode ralenti, du coup, il y aura le crop factor. Donc on aura un équivalent à peu près 300 mm. Une méga compression, ça peut être stylé. On va voir si j'en suis impressionné, on va faire un premier test. Avec le 200 mm à équivalent 300 mm, grâce au crop factor des 50 images par seconde réglé sur le Sony A7 IV, nous avons pu bénéficier d'une très satisfaisante compression. Ça nous a également permis de créer une composition très intéressante avec les leading lines au sol, qui sont les lignes directrices, grâce aux rails qui mènent le regard jusqu'au personnage. Les trains en background pour remplir notre cadre et masquer le paysage qui aurait démasqué notre monde moderne. La touche finale, le détail qui vient parfaire notre plan, c'est le passage d'un rayon de soleil dans un petit puits de jour. Entre deux trains, pour venir éclairer partiellement le visage de notre personnage à plusieurs reprises et le détacher du fond. Ce qui fait toute la différence dans notre scénario, puisque cela vient donner une nouvelle dynamique à la scène avec beaucoup de caractère qui sera également accentué par l'effet slow motion du plan. Nous avons également doublé le plan avec le 24 mm pour changer de composition avec un rendu grand angle au cas où on en ait besoin pour notre montage final. On quitte Birmingham quelques instants pour faire un petit détour à Londres pour que je puisse vous présenter le sponsor de cette vidéo, parce que cette vidéo est en collaboration avec Artlist. Tout le monde connaît Artlist et j'imagine que les trois quarts d'entre nous possédons une licence chez Artlist pour bénéficier des musiques libres de droit de grande qualité, le sound design, bibliothèque d'images footage libres de droit, les plugins, etc. Les templates, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est indispensable, je pense, pour tout créateur, filmmaker. Toutes ces choses ne sont plus une surprise. En plus, ça fait un petit moment que je vous présente Artlist sur ma chaîne YouTube. Par contre, la nouveauté et la surprise du jour, c'est cette collaboration qu'ils ont faite il y a quelques semaines de ça avec l'artiste graffeur Luke Smile, qui est un artiste londonien. Ils ont fait une collaboration qu'ils ont appelée Make It Move. À cette occasion, Luke Smile a réalisé une œuvre de street art dans un des murs de la ville de Londres. Et l'idée de l'artiste, ça a été d'en faire un template digitalisé pour permettre aux créateurs comme vous et moi d'intégrer une œuvre d'art dans nos réalisations. C'est pas mal ça quand même. L'objectif de l'artiste dans cette collaboration artistique avec Luke Smile, défendre l'idée que pour donner vie à nos visions, la seule chose dont nous avons besoin, c'est de l'inspiration et des outils. Et leur promesse, c'est de nous proposer, comme
comme vous le savez, une bibliothèque de musique de grande qualité, du sound design, des templates, du footage, des plugins, etc. Ce qui nous aide à donner vie à nos idées sans aucune limite. Je vous invite donc à cliquer dans le lien dans ma description. Vous en saurez plus sur le projet, il y a tout un article de blog, il y a pas mal d'infos, une vidéo, présentation du behind the scenes, etc. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et c'est également par ce lien que vous pourrez télécharger tout simplement les titres animés et templates pour vos vidéos. Je vous rappelle également que si vous souscrivez à Artlist en passant par le lien dans ma description, c'est un lien d'affiliation, ça vous permet vous d'avoir accès à du contenu de très grande qualité et donc d'élever le rendu de vos vidéos. Vous contribuez donc au développement et au soutien de ma chaîne. Merci Artlist d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir ma chaîne. On se retrouve nous à présent à Birmingham. On est dégoûté là, on a loupé. On voulait faire un loop. Un match cut entre deux mêmes scènes. Une ici, une là où on était tout à l'heure, on a oublié dans le rush. On va le faire là en fait. Le premier, On va le faire là, on va le faire là maintenant. On va le faire maintenant. Mais non, mais on aura rien pour matcher. Wandering through Wichita, doubt my salvation. On account of all the ways I've gone wrong. Pour la suite du tournage, nous avons rapidement changé de spot avant la tombée de la nuit. Bravo Lolo Lola, super idée, c'était super forte. Hein. Oh là, on dirait Transformers 4. Nous avons configuré le slider Mini Shark 2 équipé du Sony A7 IV pour le plan final. Nous avons utilisé l'application sur le téléphone pour définir un point A, qui est le point de départ, et un point B, le point d'arrivée de la caméra. Après, quand tu relèves la tête, tu fais ça, ouais. Oh, si tu fais ça, ma bouche, c'est incroyable. Ce qui nous a permis de faire un travelling avant et donc ajouter légèrement de mouvement au plan, tout en gardant un maximum de stabilité. Le regard se concentre donc sur le mouvement du sujet et accentue l'émotion de la scène. Une fois que nous avions sécurisé notre plan final, nous avons enchaîné avec plusieurs plans complémentaires à main levée, en profitant du peu de lumière restante pour créer des plans silhouettes en contre-jour. Le lieu était parfait, le ciel dégagé en fond et de magnifiques couleurs pour donner vie à la scène. Nous avons tourné tout ce qu'on a pu pour compléter notre scénario et raconter notre histoire. Et comme vous pouvez le constater, on a shooté jusqu'à la dernière seconde de lumière pour n'avoir aucun regret. J'ai une ampoule, ça marche, t'as vu? C'est quand même la tête vers le bas, c'est ça? Il y a un ovni. Ah, c'est dégueulasse, je viens de bousiller une semaine de jours de vie pour cette putain de merde. Si vous êtes encore là dans la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir. Mettez un petit commentaire même pour dire un petit truc parce que j'ai perdu quelques jours de vie pour cette vidéo. Ne fumez pas, c'est de la merde, c'est de la merde. Oh là 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 là. Découvrez le résultat final de notre reproduction de Peaky Blinders dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Si vous êtes encore là, inscrivez « Je suis un Peaky Blinders » en commentaire pour montrer que vous faites partie de la famille des personnes qui soutiennent ma chaîne YouTube, quoi qu'il arrive. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine aventure. Ciao, ciao !